Bonjour les CM2, les futurs 6e. Voilà. Donc ça c'est le collège. Et faut que je vous dise quelque chose, faut pas avoir peur du collège. Faut pas avoir peur de la rentrée. Parce que de toute façon à la rentrée vous allez tous vous faire des amis. moi par exemple dans ma classe on est tous devenus amis et on va rester tous dans la même classe jusqu'en 3e. Donc je pense que vous aussi dans votre classe vous aurez envie de faire pareil. Donc faut pas avoir peur du collège. Faut pas avoir peur de la rentrée parce que de toute façon vous aurez tous des amis et voilà. Bonjour les futurs 6e, je vais vous expliquer les cours des 6e. Si vous avez peur des cours, s'ils sont plus difficiles ou plus durs que des CM2, c'est des cours à votre niveau, vous allez apprendre des trucs qui viennent après les CM2. Il faut que vous êtes toujours attentive, il faut que vous écoutez, il faut que vous n'êtes pas insolent contre les professeurs. Et de toute façon, même si vous avez des difficultés contre les travails, ben, les professeurs vont vous aider. Salut les CM2, on espère que tout va bien, nous ça va super. Si les profs ne sont pas sympas, ça veut dire qu'ils sont en colère ou soit que vous avez fait quelque chose de mal. Les profs sont ni trop gentils ni trop méchants. Et s'il y a souvent des profs gentils, mais ils sont pas vraiment méchants tous les profs. Bonjour les CM2, on fait cette vidéo pour vous encourager de venir au collège. Et bah, ce thème sera est-ce que les profs sont sympas? En fait, certains profs sont sympas et d'autres, ils sont stricts. Et ils nous disent qu'on ne révise jamais et en fait, on révise tout le temps. Et c'est faux ce qu'ils disent. Et accrochez-vous et tout va aller. Merci. Ah, ils sont filmés alors. Hein. On va vous parler des sorties scolaires et de ce qu'on peut faire. Vous pourriez faire des séjours de 2 à 4 jours. Exemple, montagne, lac, forêt. Pendant les cours de PS, on peut faire de la natation de 6e à 5e. Et de la danse. Au revoir les CM2. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler du thème certains de vous des sorties, des voyages et tout. Certains de vous nous ont demandé ça. Alors oui, on a visité la cathédrale et on a visité Strasbourg. Et aussi cette année, au 7 au 9 juin, on va en sortie, on va au Pierre Percé, un lac de Pierre Percé, 3 jours et 2 nuits. Et aussi on y va à la piscine avec Monsieur Lefebvre qui est derrière la caméra. Et on fait parfois qu'est-ce qu'on veut et parfois on nage super bien avec lui. Et voilà. N'oubliez et pas. Les CM2, ne le regrettez pas. Venez. Au revoir. Le collège c'est bien, ne vous inquiétez pas. Les profs vous attendent avec impatience. À la prochaine.